Domino. France Culture. Avec le soutien de le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, la Région Rhône-Alpes, Humanis et Imaginov. Présente A Blind Legend. Bonjour à tous et merci donc de regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais donc vous parler d'un jeu très particulier, un jeu qui est dédié aux personnes aveugles, aux personnes malvoyantes, et ce jeu est A Blind Legend. A Blind Legend a été vraiment construit, étudié par la société Domino, que l'on remercie énormément. Cette société a transformé un jeu complètement visuel pour les personnes aveugles. Ici, je vous donne une petite description. Le premier jeu d'action aventure sans image, où Louis remplace les yeux. Découvrez l'expérience sensorielle inédite et innovante du son 3D binaural. Casque audio obligatoire. Jeu audio 100% accessible aux aveugles et malvoyants. Vos yeux ne vous seront d'aucun secours. Fermez-les, aiguisez vos oreilles et votre lame. Et lancez-vous dans un voyage initiatique. Épique et périlleux, mettez votre casque audio et utilisez l'écran tactile de votre smartphone comme un joystick. Pour vous déplacer librement. Pour vous battre à l'aide de votre épée lors de combats épiques. Pour vous défendre et vous protéger à l'aide de votre bouclier. Pour repousser vos ennemis et enchaîner les combos. Vivez les aventures d'Edward Blind. Voilà donc Edward Blind, qui est une personne aveugle dans le jeu. Je vous invite à regarder toute cette vidéo, à écouter. Et surtout, n'oubliez surtout pas votre casque. Pour écouter cette vidéo, mettez votre casque car il va y avoir une réalité virtuelle au niveau du son. Et vraiment, vous n'allez pas du tout être déçu. Ce jeu, complètement dédié aux mal et non-voyants, va vous surprendre. Testez-le, fermez les yeux, mettez votre casque et rentrez dans la vidéo. Merci à vous de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Rentrons dans le jeu ensemble. Une vidéo pour vous mettre dans des conditions réel. Je vais vous présenter un jeu qui est magnifiquement réalisé. Ce jeu est donc A Blind Legend. A Blind Legend est un jeu. Celui-ci a été adapté d'une façon très particulière. Vous allez vous rendre compte à partir de la vidéo que ce jeu n'est pas comme tous les jeux. Il va vous faire entrer dans un monde connu pour certains, du tout pour d'autres. Vous allez sentir l'émotion. Vous allez ressentir les effets sonores que ce jeu va vous donner. Vous allez ressentir, et je vous conseille d'écouter cette vidéo avec un casque. Très important d'écouter cette vidéo avec un casque, car vous allez ressentir les effets sonores de ce jeu. Vous allez être immergé un peu dans le monde des aveugles par le son qui vous sera donné. Vous allez sentir des choses bouger autour de vous, des objets. Et je dirais même que si vous voulez pousser l'expérience, après avoir mis votre casque, fermez les yeux et immergez-vous dans A Blind Legend. Alors, à partir de maintenant, je vous conseille de mettre votre casque avec un son en 3D, avec un son en réalité virtuelle, sans image. A Blind Legend est un jeu audio. Veillez à mettre votre casque dans le bon sens. Tapez deux fois rapidement sur l'écran pour continuer. Vous devriez entendre cette voix à gauche. Tapez deux fois rapidement sur l'écran pour continuer. Français. Tapez deux fois rapidement sur l'écran pour choisir cette langue. Faites glisser rapidement votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour changer de langue. Alors comme vous avez vu, on a un explicatif venant d'une synthèse vocale. Alors pour lancer ce jeu pour les personnes non-voyante, il faut absolument désactiver VoiceOver pour pouvoir jouer à ce jeu. Domino. France Culture. Avec le soutien de le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, la Région Rhône-Alpes,
Humanis et Imaginov. Présente. A Blind Legend. Chargement en cours. Bienvenue dans A Blind Legend. Pour sélectionner un élément, tapez deux fois rapidement sur l'écran. Faites glisser votre doigt vers le haut pour retourner aux éléments précédents. Pour revenir au menu principal depuis le jeu, glissez rapidement deux doigts vers la droite. Vous ne pouvez pas revenir au menu principal pendant les combats. Menu principal, nouvelle partie. Choisissez votre mode de difficulté. Mode normal. Chargement en cours. Par ici, père. Vous incarnez Edward Blake, le célèbre chevalier aveugle, et vous serez guidé par votre fille Louise. Pour avancer, posez votre doigt sur l'écran, puis glissez-le doucement vers le haut. Vous continuerez à avancer tant que vous maintenez le doigt sur l'écran. C'est à vous. Parfait. Vous avez compris comment avancer. Vous pouvez faire varier la vitesse de déplacement, en glissant votre doigt plus ou moins loin. À vous de jouer. Pour reculer, posez votre doigt sur l'écran, puis glissez-le doucement vers le bas. Vous continuerez de reculer tant que vous maintenez le doigt sur l'écran. C'est à vous. Pour reculer, parfait. Vous avez compris comment reculer. Pour tourner sur vous-même, posez votre doigt sur l'écran, puis glissez-le à droite ou à gauche tout en le maintenant sur l'écran. Vous continuerez à tourner tant que vous maintenez votre doigt sur l'écran. C'est à vous. Alors écoutez le son. C'est ça. En tournant ainsi, vous pouvez vous orienter en fonction des sons que vous entendez, et ainsi, changer de direction pendant vos déplacements. À chaque fois que vous aurez besoin que Louise vous indique comment la rejoindre, tapez une fois sur l'écran. À vous de jouer. Par ici. Par là. Par là. Par là. Par là. Par ici, père. Par ici, père. Alors vous voyez, le personnage est déjà une personne aveugle. Par ici, père. Avec sa petite fille qui le guide tout au long de l'aventure. Par ici, père. Par ici. À droite. Ici, on va faire un mouvement sur nous-mêmes. Écoutez bien ce qui va se passer. Je ne sais pas où est ma fille. Je vais appuyer simplement sur l'écran. C'est derrière vous. C'est bon. À chaque fois que vous rejoignez votre fille, elle vous l'indiquera et partira vers votre prochaine destination. C'est à vous. Venez, père. Allons rejoindre maman sur la place du village. Par ici. Lorsque vous entendez ce son, une scène importante va se dérouler. Écoutez bien. Qu'est-ce que c'est ? Les scènes de miroir ! Attrapez-la ! Je sais pas ! Chut ! Caroline ! Maman ! Où est l'aveugle ? Chérie ! Pitié ! Au nom du roi Torque, parle ou je t'étripe ! Oh, j'en pouvais, je... Non ! Fouillez le village ! Trouvez Blake ! Seigneur Blake ! Il vous cherche. Ne restez pas là, il faut vous cacher. Demoiselle Louise, emmenez votre père jusqu'à la basse-cour. Ils sont beaucoup trop nombreux, père. Venez. Lorsque vous entendez ce son, c'est à vous de jouer. Allons-y. Allons-y.
femme de Blake. Lord Stilton. Mort ! Libérez-moi, oui, tout de suite ! Silence ! En route ! Il le veut, Bouchef ! Nous l'aurons plus tard. Le roi attend sa prisonnière ! Allez ! Chien, je vous égorgerai un à un. Chargement en cours. Cette histoire se déroule au Moyen-Âge. Mon père a fini votre épée. On vous attend à la forge. Maintenant, rapprochez-vous de moi. Allez là. Allez là. Votre lame, Seigneur Blake. Qu'elle vous protège de ce tyran. Pour dégainer ou rengainer votre épée, tapez deux fois rapidement sur l'écran. On ne peut pas se déplacer épée en main. Votre rythme cardiaque reflète votre état de santé. Plus vous prenez de coups, plus il accélère. Une fois l'action terminée, Blake range automatiquement son épée. Les soldats, père, ils reviennent. Fuyez, chevalier, et évitez les routes. Merci. Prends tes affaires, Louise. Nous allons retrouver ta mère. Chargement en cours. Où allons-nous, père ? Nous allons devoir traverser cette plaine jusqu'à la forêt pour pénétrer dans le royaume de Torque. Dépêchons-nous, l'orage n'est pas loin. Le pays de Thor n'est pas loin, comme vous entendez l'orage. C'est tout droit. Blind va continuer son aventure, et j'espère que vous aussi, vous allez avoir envie de continuer cette aventure. J'espère que ce jeu en aveugle va vous donner envie de le tester simplement avec un casque, les yeux fermés, et vous allez voir que la légende de Blind a joué est vraiment extraordinaire. J'espère que vous allez télécharger et tester ce jeu pour vous rendre compte comment une personne non-voyante évolue dans le monde avec tous ces bruits environnementaux, tous ces bruits familiaux qui nous entourent, tout ce brouhaha de la ville et comment cela peut être compliqué pour une personne mal ou non-voyante à se diriger parfois dans une ville. Immergez-vous, mettez-moi en commentaire surtout ce que vous avez pensé de cette vidéo. Alors certes, vous n'avez rien vu ici sur l'écran, car en fait le jeu n'a aucune image, il est simplement en son 3D, binaural, donc vous avez votre casque, vous êtes immergé, fermez vos yeux, ressentez les choses. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Mettez-moi des commentaires et un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Moi, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Salut !